Bonjour, je suis heureux de retourner chez vous encore une fois pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire du gésier de poulet, mais concocté d'une autre façon. Ce ne sera pas de la façon dont nos mères, nos tantes, nos grand-mères ont l'habitude de préparer pour nous cette partie du poulet que nous affectionnons beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va faire une nouvelle expérience avec le gésier de poulet. Je vais vous présenter rapidement les ingrédients que nous allons utiliser pour réaliser ce plat. Mais avant, je veux saluer tous les abonnés de cette chaîne. Comme on l'avait dit la dernière fois, on a atteint le palier des 200 000 abonnés et je vous remercie. Je vous dis 200 000 fois merci pour votre fidélité et nous allons continuer à vous servir, à vous présenter de bonnes et de succulentes recettes. Alors, je salue aussi les membres de la chaîne, ceux-là qui paient un membership parce qu'ils ont cliqué sur le bouton Join qui est en dessous de la vidéo et ils ont choisi un plan de support et fait tous les mois, ils envoient de l'argent pour la chaîne pour nous aider à perdurer cette belle aventure avec les mets, avec la nourriture, avec les recettes haïtiennes et les recettes venues d'ailleurs aussi. Ok, aujourd'hui je n'ai pas de goûteur ou de goûteuse, c'est moi qui serai le goûteur de ce que je vais réaliser. Et je suis certain, ce sera bon. Alors, tout de suite, on vous présente les ingrédients que nous aurons besoin pour réaliser cette recette. A tout de suite. Bon, oui, je prenais mon smoothie. Et comme petit déjeuner, je prends un smoothie presque tous les matins. Et celui-là, c'est un smoothie avec... que j'ai déjà présenté sur la chaîne, il y a du beurre d'arachide, figue banane, avoine, lait d'amande, voilà, et puis c'est tout. Ah, mais j'ai mis aussi de la protéine, une protéine en poudre que j'utilise pour m'aider à avoir mes muscles plus rapidement aussi. Donc, alors, si ça vous chante de boire un smoothie comme ça, vous allez trouver sur la chaîne. Regardons les éléments que nous allons utiliser pour faire ça.